Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Alex The Black Cat qui vous retrouve pour un deuxième épisode du Let's Play sur Rayman 3. Alors la dernière fois je vous ai quitté là, et là on s'apprête à rentrer. Regarde, le concile des fées. Dans le concile des fées. Si tu veux draguer, je te déconseille l'endroit, c'est rempli de vieilles filles complètement gaguettes. Oula, il y a des bugs, mais vous avez compris un peu. Donc les fées, apparemment, d'après Murphy, sont deux vieilles filles complètement gaga. C'est lui qui le dit. Ouh. Voilà. Et là, il y a un tonneau. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Ça commence à bien faire. Tu veux te faire virer ou quoi? J'adore ça. Et vous allez voir, hein, ça va crescendo dans l'humour. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Y'a quelqu'un? Ah. Mais c'est la boîte Globox? Eh ouais. Laissez-moi, laissez-moi tranquille. Partez, mais partez. D'abord je suis invisible, vous ne voyez pas, je suis même pas là. Non, ne touchez pas à mon tonneau. Attention, j'ai piégé le tonneau, 2 fois. Bon, alors, vous avez compris, hein, il faut... l'interrupteur, là, lève la porte et permettra de bloquer Globox. Et, vous allez voir, si on fait pas ce qu'il dit, vous allez voir. Donc normalement, voilà, il faut taper là-dessus. Mais... tu serais pas un peu différemment avantagé comme mec? Il y a un tonneau qui bouge, une porte qui peut se lever et un interrupteur. Ça te donne pas une idée? Maintenant, me demande pas ce qu'une porte vient faire au milieu de rien, c'est sûrement une idée du type qui a écrit le manuel. Tu sais ce qu'il te dit le manuel? Ah, moi j'adore. J'adore le dialogue entre Murphy et le manuel. Mais c'est vrai que si t'as pas compris ça, bon... Ah ouais, mais évidemment, si j'arrivais à sauter, là c'est tout le problème avec la maniabilité que j'ai. Si seulement ma manette PS2 marchait. Ah mais c'est pas vrai. Allez, on la refait. Et là, on va se grouiller de taper dans le tonneau pour sortir Globox de là. Et voilà. Oh, dites, on peut faire ça à 3. Tu parles de quoi là? Et voilà, Rayman récupère ses mains. Trop de bonheur en début de jeu. Moi je dis que ça cache quelque chose. Voilà, j'ai récupéré mes mains, alors du coup, je vais pouvoir frapper Globox. Je sais que c'est méchant, mais moi j'adore faire ça parce que à chaque fois il te sort de ses phrases. Bon, déjà là il va en sortir une belle. Bonjour les étoiles, bonjour la nature, petite fleur, comment t'appelles-tu? Rose, moi c'est Globox. On est pas bien là? Ouais, non, on est super. Oh, joli dentier, tu me fais une petite place dans ta carapace? Mais pourquoi non? Tu passes l'aspirateur? Ah, je suis content. Oui, moi aussi, je suis content. Chenille gluante, viens faire un gros bisou. Tonton Globox a les lèvres au GRC. Ouais. Non mais t'as fini, oui? Oh, je vais vomir. Ouais, on va pas s'amuser à le taper. Remarque, j'ai bien envie de me défouler sur lui. Mais d'abord, voilà, il y a lui. Voilà. Touche pas à ton pote! Tu sais quoi? J'ai rêvé que j'étais enceinte. C'est génial! J'adore les frères. Ah ouais. T'as envie d'avoir des gosses, toi. Ah, si j'avais un marteau! Oh, je vais vomir! Touche pas à ton pote. On va être interdit au moins de 16 ans. Ah là là, il se moque du Beggy du jeu quoi. C'est vrai qu'à force de le taper, on pourrait se croire dans un Street Fighter, oui, carrément. C'est pas parce que tu passes à la télé que tu dois faire ton intéressant. Bah si. Mais oh. Puis je passe pas à la télé, je passe sur YouTube. Ah, si j'avais un marteau. Laisse-moi deviner, faut taper là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Eh ben alors. Normalement, tu dois avoir quelque chose. Non, bon bah tant pis. Oh, Rayman, t'as allumé la lumière. C'est beau. Ouais. Eh ben tiens, qu'est-ce que je disais? Revoilà les méchants. André, tu dois dire que le méchant s'appelle André. Respecte ton texte, bon sang. Ils attaquent le consigne des faits. Non mais là c'est plus possible. Après Rayman 2, on m'avait promis un rôle d'artiste tourmenté qui trouvait l'amour avec une fille très... intelligente, oui voilà. Bilan, je me retrouve à faire la mouche dans une série. Ouais, c'est le genre de fille qui a de gros yeux. Bon, on va finir ce niveau. Oh, seulement 95%. Alors il y a un nouveau niveau bonus gagné. C'est en fait des niveaux... des mini-jeux quoi. C'est des mini-jeux. Et le premier s'inspire du premier Rayman, je crois, qui était en 2D. Et séquence nostalgie pour ceux qui ont connu voilà l'ère 2D. Bon moi c'est le premier Rayman auquel j'ai joué, donc c'était en 3D. Mais c'est vrai que j'aurais aimé jouer au premier Rayman. Hein. Un interrupteur, à tous les coups il actionne un mécanisme. Oui, merci, Captain Obvious. Et voilà. Dépêche-toi, la force grandit chez André. Traîne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Ah bah sûrement pas. André n'est pas mon père. Allez, on grimpe. Alors là, vous avez vu, il y a un truc là. Voilà. Et hop, 250 points. Aïe. Je suis tombé. Pas fait exprès. Allez, remonte. Ouf. Alors attends, j'aimerais bien passer sur le côté. Voilà. Parce que je crois qu'il y a des trucs à ramasser, voilà. Oula. J'ai pas de joystick. J'aurais aimé. Voilà. Voilà. Je suis pas devin mais j'ai comme l'impression qu'elle contiennent quelque chose. Ouais, moi aussi. Alors pour les casser, on peut pas. Comme ça là. Il faut charger le point. Hop là. Et ça rapporte des points. Voilà. Libertard. Si André triomphe, il pondra à Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Incroyable. En brisant les tirelires, tu as ouvert la porte. Cet endroit est vraiment trop magique. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Même Copperfield, il n'arrive pas à la faire celle-là. Le manuel dit que tu peux lancer tes poids sur le côté. L'auteur insiste. Ça doit être important. Ouais, bah, pour l'instant, il y a des trucs à ramasser. Ah, bah t'as plus qu'à remonter. Ouais. En tout cas, moi je comprends mieux pourquoi les fées ne sortent pas en boîte. Rentre au concile à 5h du mat avec un petit coup dans le nez, c'est sûr que ça doit pas être facile. Une fée bourrée, moi j'aimerais bien voir ça. En même temps, il n'y a que dans Rayman que tu peux voir ça. Oui, alors comme j'ai expliqué, parce que j'ai lu les commentaires hein, du premier épisode, le Rayman, ça a été créé par Michel Ancel, et c'est une licence Ubisoft. Et bon bah du coup c'est un jeu français. Et l'univers de Rayman est un univers un peu féerique, enfin féerique mais très, je dirais presque cartoon, en tout cas très axé sur l'humour, parce qu'il y a des fois, il y a des trucs, c'est vraiment n'importe quoi. Et même dans le dernier Rayman Origins, je crois, apparemment il y a des... apparemment il y a beaucoup de clins d'œil et autres petits sketchs quoi. Bon, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'aimerais bien y jouer d'ailleurs à Origins. La touche strafe, je sais plus où c'est. C'est ça le problème. Alors, c'est où? Pas latéral. Ah, c'est contrôle. D'accord. Bon bah on va essayer ça. Ah ouais d'accord, comme ça. Et hop. Vas-y Rayman et... Ah, excuse-moi, on me parle dans l'oreillette. C'est monsieur Ubisoft. Il s'excuse au nom de toute l'équipe pour cet entraînement. Je cite, pas très fun. Mais il dit que tu dois t'appliquer, car les tirs de côté te permettront de battre les Hoodlums. Même Ubisoft, ils se sont rendus compte que c'était pas très fun, alors du coup ils l'ont mis, ils l'ont dit quoi dans le jeu, j'y crois pas. Ah là là, quand je vous disais que c'était c'était plein de dérision. Oh là. André est là. Vite, tire-lui dessus, je vais pas tenir longtemps. D'accord. Mais où est-il précisé que je dois faire des cascades? Appelez mon agent, j'exige de revoir mon contrat. 100 000 $ en plus. Rien que ça. Je démissionne, vous entendez? Je démissionne. Bah démissionne si tu veux. Voilà. J'exige une prime. Je me plains au syndicat. Et voilà André. Écoute ça, le nain jaune. Une fois que j'aurai transformé l'énergie du cœur en Hoodlums, je reviendrai m'occuper de toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow! La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Ah non, Rayman, ça appartient aux Hoodlums. C'est peut-être dangereux. Et là, une des caractéristiques du jeu, c'est que vous avez des boîtes comme ça qui vous donnent des pouvoirs. Hey, trop la honte! T'as plus qu'à essayer de voir comment ça marche. En l'occurrence, ce pouvoir-là, il me permet de lancer des tornades, comme ça. Voilà. Et aussi, il multiplie par 2 le nombre de points acquis, donc c'est pas négligeable. Pour faire des high scores. Et voilà. La survie de tous les peuples en dépend. Vous me dites si j'en fais trop? T'en fais trop. La survie de tous les peuples n'est pas en danger, attends. Ah, 46%. J'ai pas dû tout voir, hein. Il doit y avoir des passages secrets. Bon, c'est pas très grave. Je sais pas depuis quand je tourne, mais je crois que je vais m'arrêter là. Pour cet épisode, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous appréciez la série, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, ben, je vous retrouve pour de prochaines aventures. Allez, à plus!